Vas-y, on avance un peu, s'il te plaît. Alors, Pierre. Alors, Kito. Ça va? Ouais. C'est plaisir qu'on soit là tous les deux. Voilà. Bien mérité celui-là. Un grand moment, ça fait longtemps en fait que j'attends ça, j'ai 60 ans là maintenant. Et ben voilà, ça y est, je suis arrivé, le bateau est à peu près bien, moi aussi. Et je suis super content d'être là, c'est une vraiment belle aventure. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé, merci, voilà, un grand merci du fond du cœur à tout le monde. Non, non, c'était pas la première Transat, c'était la première Route du Rhum. Et c'était surtout avec un bateau que j'ai conseillé à plein de familles pour naviguer. Et puis voilà, quoi, je voulais leur montrer que je m'étais pas foutu de leur gueule et que je pensais réellement ce que je disais, qu'on peut naviguer avec. Donc voilà, il fallait que je le fasse sur ce bateau. Quoi. Dans la dernière nuit, ça a été terrible. Ça, dans les calmes, là-bas dessous, avec le petit Loïc là, qui ronnait comme un avion, puis qui m'a doublé, ça a été terrible. Mais bon, voilà, l'arrivée, après, ça fait oublier tout le reste. Et vraiment une superbe course. C'est vrai que ça, moi, j'étais très surpris de l'accueil. Il y a énormément de gens qui sont venus me voir. Il y a beaucoup de gens sur le bateau. Je ne m'attendais pas à tout cet engouement. Et ça m'a fait un peu drôle, quoi. Je me suis senti envahi. C'est agréable d'être envahi comme ça, hein, mais c'est quand même un envahissement, quoi. Et comme ça, tu pourras, si tu veux, tu pourras le donner à un petit garçon, une petite fille que tu connais pas, que tu as rencontré là-bas en lui disant « Faut que le ballon fasse le tour du monde ». D'accord monsieur, merci. Voilà. Merci beaucoup.